Oh, c'est chiant ce bruit de ventilo dans tes vidéos. Oui, je sais. Mais je vais voir pour essayer de me le payer, mais c'est chaud, hein. Ouais, mais après, il y aura toujours un autre problème. Comme quoi? Bah, toi, on entendra toujours ta voix. Non, mais je rigole, oh là là. Merci, salut tout le monde, c'est Sisoen. Yo les Scookies, c'est Sisoji. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule De quoi ? Alors dans cette vidéo on parlera d'un grand sujet, Call of Infinity Warfare. Au sommaire de cette vidéo, qu'est-ce que le jeu nous proposera entre combinaison à la Crysis et des vaisseaux dans l'espace façon Star Wars ? Où veulent-ils nous emmener ? Une chose est sûre, le réalisme des premiers jeux semble avoir disparu aussi vite que les fringues de Miley Cyrus lors de ses concerts. En deuxième partie, qu'est-ce que les joueurs de Call of attendent ? Moins de conquêtes spatiales, plus de terrains hostiles. Même si l'intention était bonne, nous servir une pâle copie des tendances actuelles n'est vraiment pas judicieux. Encore moins d'essayer de justifier l'achat forcé d'un raté avec un ancien succès. Alors avant de commencer, laissez-moi vous faire découvrir une petite bande-annonce magnifique. We are getting breaking news out of Switzerland. Geneva has suffered a massive attack. Death count continues to rise and there's no end in sight. Ouais, et alors, y'a quoi d'anormal? Attends, j'ai oublié de changer la bande son. Ouais, et il est nickel, Crysis. Attends, il y en a encore une autre ? Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Le côté obscur. Les Jedi. Ils existent. La Force, elle t'appelle. Attends, je comprends plus rien. On parle de quel jeu, là? Tu m'embrouilles. Au cas où, les trois font partie du même jeu. Ah, ok. Bah, je comprends mieux pourquoi les glandus nous font un caca nerveux. Attends, c'est logique. D'un grand jeu tant espéré, on se retrouve avec un Call of à la sauce Destiny. Vous avez vraiment rien d'autre à foutre que de vous plaindre toute la journée, hein. Tu prends ce qu'on te donne et tu la fermes, puis c'est tout. Je suis pas particulièrement fan du côté multijoueur dans Call of. En tout cas, courir dans tous les sens, buter tout ce qui bouge. Mais t'es un ouf, tu veux qu'on se fasse défoncer la tronche par les Call of Man? Attends, j'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit que j'étais pas fan du côté multijoueur. Je suis aussi un Call of Man, mais pour le côté histoire. Moi, en multijoueur, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la coopération et la stratégie, comme tu le sais. J'aime prendre mon temps pour avancer, et dans Call of, ce côté-là, ça s'appelle camper. Bizarre, j'ai jamais vu de camping dans Call of. Pour en revenir en jeu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de désillusions? Peut-être, et je cite... Ouais, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu pour cette franchise. La bande-annonce de Black Ops 2, premier opus à emmener la franchise dans un univers futuriste, avait récolté le plus grand nombre de dislikes. Toute bande-annonce confondue. Et pourtant, ce jeu est devenu notre plus gros succès commercial. C'est carrément pas logique. Le jeu que tu trouves le plus pourri, c'est celui avec lequel tu joues le plus. Ouais, apparemment, c'est ce qu'il dit. Bon, ok, je peux comprendre. Tu connais pas le jeu, tu le testes, boum, tu le kiffes. Ok, mais là où je m'inquiète, c'est quand j'entends ce genre de choses. Non, mais le studio a bien compris qu'une partie des fans voulait revenir à un mode plus réaliste. Et c'est pourquoi Infinity Warfare et Modern Warfare remasterisés seront vendus ensemble. Voilà. Comme ça, tu fermes ta gueule et t'achètes les deux. Merde, le micro, il est encore allumé. Attends, mais ils sont cons ou quoi? Alors, si j'ai bien compris, il faut qu'une merde soit vendue avec un jeu qui a autrefois bien marché pour que cette merde devienne réaliste.
Putain, il est fort ce con. Faudrait associer ce concept pour tout, alors. Alors, je lui sers quoi, la petite dame? Bonjour, monsieur. Je voudrais ce joli poisson. Oh, mais pourquoi il est aussi cher? Ah, il est vendu avec une petite sardine pourrie du mois dernier. Mais moi, je veux que le poisson. Ah, désolé, ma petite dame, ici, on vend tout à la façon Hirschberg. Ah bah non, alors, dégage, moi, je veux pas que ta merde. Non, mais on va où? Pas mal de choses ont effrayé les joueurs dans ce jeu. Ah bon? Comme quoi? Bah, comme le jetpack, hein? Le fameux, celui qui te permet de faire des prouesses de dingue. Et bien évidemment, cette espèce de conquête de l'espace avec des vaisseaux futuristes absolument partout, qui nous éloigne encore une fois des origines de ce jeu. Des origines comme Medaille of Honor, à crapahuter dans les ruines sous un temps de merde, à être la cible des snipers dissimulés dans les clochers. Ah ouais, ça c'était nickel. Et c'est cet esprit-là qui disparaît petit à petit avec Call of. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que ce jeu nous proposera? La réponse est une bonne guerre dans l'espace à la façon Star Wars. Et ouais. Dans la deuxième partie de cette vidéo, qu'est-ce que les joueurs attendent dans Call of? Mais tout ça, après une page de pub. Alors dans la deuxième partie de cette vidéo, qu'est-ce que les joueurs attendent vraiment dans Call of? Oh merde, regarde, il y a une autre bande-annonce qui colle pile poil. Dis que ce n'était pas la peur. J'aurais pu lui répondre. Un cheval enfermé dans son stall de départ n'a pas la trouille. Il se tient simplement prêt à courir. On a bien compris que tout colle bien dans ce jeu, sauf Call of. Alors qu'est-ce qui est recherché dans ce jeu? Des situations foupoudaves, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ou alors un grand retour aux sources, ce qui a fait la grandeur du jeu. Oui, exactement. D'où le décor désertique, les villes dévastées par le poids des bombardements et des snipers dissimulés. Exactement, Pine d'huître. De quoi? Mais bien sûr, avec un équipement sommaire, mais... moderne, avec une progression lente et difficile dans l'angoisse de tomber dans un piège rondement mené par un bataillon d'ennemis. C'est quand même bizarre comme demande venant d'un rond de pantoufle comme toi, incapable de bouger son cul. Bref, encore une fois, il n'est pas question de descendre ce jeu sans l'avoir testé avant. Une opinion ne peut pas être fondée sur une simple bande-annonce. Simplement, on ne peut pas rester indifférent face à la frustration des joueurs. N'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires si jamais tu es partisan de ce monde futuriste. Tu serais un des seuls dans ce cas-là. Non, moi j'aime bien. Bah quoi, qu'est-ce que ça te pose un problème? Zen. Alors la grande question c'est si jamais il ne plaît pas, est-ce que les joueurs se tourneront vers Battlefield 5, qui semble un peu plus respecter les bases de la guerre moderne et non pas futuriste? Je suis pas vraiment partisan de l'un ou de l'autre, vu que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est simplement jouer. Ouais, enfin en même temps on te voit pas beaucoup jouer à quoi que ce soit. C'est normal, je suis très pris entre la chaîne et d'autres responsabilités. De toute façon c'est pas le sujet. Comment que tu fuis les réponses comme une fiotte? Alors qu'est-ce que les joueurs de Call of aimaient-ils tellement dans les versions précédentes? Comme tu l'as dit, ils aiment les combats terrestres et non pas spatiaux. C'est sûr que de voir des soldats courir contre les murs et s'envoler avec un jetpack, ça enlève tout de suite le côté naturel. Même si ça fait un super jeu d'avoir des armes laser et des robots. Ouais, si le jeu en question c'est Star Wars. Ouais, à une différence près, c'est que t'as pas un ours dans le dos qui te hurle dessus toute la journée et qui t'emmène sur les champs de bataille. Et pour le Call of Remastered? Bah, je suis sûr qu'il est bien refait. Mais moi j'aime pas revenir sur un jeu qui a été terminé. Une fois qu'il est terminé, bah je passe à autre chose. Et là, c'est du forcing, donc je sais pas trop. C'est pas étonnant qu'on joue à rien avec toi, vu que t'es totalement indécis. Bah là, on peut déjà constater sur les images qu'il a été bien refait, donc c'est déjà ça. Ouais, bah encore heureux. Ça serait une grosse blague de nous faire payer un jeu identique. Bonjour, bonjour, je viens revendre mon jeu GTA V. Ah ouais, on le prend 10 euros. Ah ok, ok. Je peux vous conseiller un autre jeu si tu veux. Bien sûr. Ok, alors voilà un super jeu, c'est GTA V. La pochette est quasi neuve, hein, ok. Il est à 70 euros, tu veux? Non mais attends mec, t'es con ou quoi? Écoute, il y aura toujours des couillons pour acheter ces merdes, alors pourquoi tu mouilles ton slip? Je ne mouille rien du tout. Je dis juste que si ce jeu ne me plaît pas, je n'hésiterai pas à aller voir ailleurs. Ce qui est possible que après l'achat du jeu. Eh ouais, pour savoir, il faut se lancer. Y a pas le choix, mes cons. Alors sortez-vous les doigts du cul, grattez la thune à vos parents, et hop, en selle. Qu'est-ce qui se passe? Tu travailles pour eux? Non mais je vous sens hésitant et c'est gonflant. Pourquoi je suis pas surpris? Donc pour répondre à la question, qu'est-ce que les joueurs recherchent dans ce jeu? La réponse est toute simple, un retour aux sources et surtout pas d'extravagance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like, partage et abonne-toi. Si tu as la moindre question sur le sujet qu'on vient d'aborder, n'hésite pas, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. Dans la prochaine vidéo, on parlera de... On se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien, ciao ciao!